بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مقلواء للتعلم بود. Donc aujourd'hui on va corriger sujet de mathématiques brevet 2017. Premier exercice. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples constitué à quatre questions. Chacune comporte trois réponses. Une et une, celle étant exact. Précisez la bonne réponse. Première question. Le nombre 3 racine de 2 moins racine de 3 tout au carré est égal. Réponse. 3 racine de 2 moins racine de 3 tout au carré se forme d'un terme remarquable a moins b tout au carré égal à au carré moins 2ab plus b au carré. Donc 3 racine de 2 tout au carré moins 2 fois 3 racine de 2 fois racine de 3, donc égale 3 racine de 6 plus racine de 3 au carré, donc égale 3 au carré égale 9, et racine de 2 au carré, racine de 2 au carré égale 2, 2 fois 9 égale 18 moins 6 racine de 6 plus 3, donc égale 21 moins 6 racine de 6. Donc réponse B. Deuxième question. La valeur médiane de la liste suivante. Donc réponse. Donc on a 23 et on a 24 et on a 28 et on a 26 et on a 28, 23, 26. Ok, on a 30, 34, 35, donc 23 en seule fois, 24 aussi c'est en seule fois, 28, 28, 28, deux fois, 26, un seul fois, et 30, trois fois, 30, 30, et 30, trois fois, 34, 34, un seul fois, et 35, 35 en seule fois, et on a ici 29 en seule fois. Donc ça dans, on fait ça dans le brouillon. Donc on a ici 23, 24, 26, 28 des fois, on a 29, 33 fois, 34 en seule fois, et 35 en seule fois. Donc nombre des chiffres des on va calculer les nombres total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 29. 29, c'est les médians de la liste. Donc c'est réponse. Réponse B. Troisième question. Si F
est une fonction affine telle que l'image de 1 égale 1 et l'image de moins 2 égale 7, alors réponse est fonction affine. Donc, la forme générale de fonction affine AX plus B est telle que A et B sont des nombres réels. Donc, on a l'image de 1, l'image de moins 2. Donc, la méthode la plus facile, on peut remplacer dx par sa valeur et on va mettre l'image de 1 égale 1, donc on va trouver une équation de premier degré dans celle inconnue x a des inconnus a et b. Même chose, l'image de moins 2 égale 7, on remplace x par moins 2, donc on trouve des systèmes, on résout des systèmes. Mais la méthode la plus facile, on calcule le coefficient directeur a égale des différents d'ordonnées, c'est-à-dire f de 1 moins f de moins 2 sur 1 moins moins 2. Donc f de 1 égale 1, f de moins 2 égale 7 sur 3, donc égale moins 6 sur 3 égale moins 2. Donc l'image, f de x égale a égale moins 2, x plus b. Donc pour trouver b, on peut remplacer l'image de 1 ou bien l'image de moins 2. L'image de 1, c'est-à-dire x égale 1, donc on a d fois 1 plus b. L'image de 1 égale combien? Égale 1. Ça s'implique que moins d plus b égale 1. Ça s'implique que b égale 1 plus d, donc égale 3. Donc l'expression de f de x égale moins dx plus 3. Réponse C. Cette réponse. Réponse C. Quatrième question. Si A un point dans un cercle de diamètre BC et de rayon 1, tel que AC égale 1, AC égale 1, alors sinus ABC égale. Donc, c'est réponse. A appartient à du cercle de diamètre BC. Alors, les triangles ABC rectangle et rectangle en A. Ça, c'est une propriété. Si l'une de côté du triangle est diamètre du cercle, donc le triangle est rectangle. Donc ABC est un triangle rectangle en A. Ça, c'est ABC. BC. Et on a triangle rectangle en A, c'est-à-dire comme ça. Par exemple, on a ici A. Donc le côté AC égale 1. AC égale 1. Donc on va calculer sinus de l'angle ABC. ABC, sinus de cet angle. Donc rayon égale 1. Rayon égale 1, donc le diamètre égale 2. Donc pour calculer sinus de cet angle, sinus ABC égale les côtés opposés, c'est AC sur l'hypoténuse, c'est BC. Donc égale 1 sur 2. Donc réponse. Réponse A. Cette réponse.